Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le Tarpon 49 QP, bateau de notre gamme premium pouvant accueillir à son bord un maximum de 10 à 12 personnes. Je suis accompagnée de Solène, notre canal reporter, qui va effectuer avec moi la visite guidée de ce bateau. Alors, nous nous dirigeons par cet accès sur le pont extérieur à l'arrière du bateau, comprenant un double poste de pilotage. Donc voici le poste de pilotage extérieur. Un salon de pont extérieur avec plancha intégrée et un bimini, équipement de nos bateaux premium qui vous permettra de vous cacher du soleil, et un petit frigo de pont extérieur. Nous allons nous diriger sur le pont avant du bateau permettant d'installer quelques chiliennes qui font partie de l'équipement de la gamme premium. De profiter du soleil. Cet endroit permet également d'accéder à la cabine skipper comprenant deux lits simples superposés, un WC et un lavabo. Alors nous allons nous diriger désormais à l'intérieur du bateau. Nous avons deux accès. Un accès latéral que je vais emprunter et un autre accès par lequel Solène nous rejoint. On se trouve dans le carré du bateau, donc un véritable espace très lumineux avec une vue panoramique sur l'extérieur. Vous avez ici le deuxième poste de pilotage, le poste de pilotage intérieur du bateau, avec notamment la commande permettant de mettre en marche le propulseur d'étrave. Solène est installée donc sur la banquette qui va vous permettre de prendre vos repas. Cet endroit permettra également un autre couchage, donc la banquette se déplie en un couchage double. Ce bateau de la gamme premium est équipé d'un système de chauffage et d'un système de climatisation. Nous allons désormais nous rendre dans la cuisine du bateau, une spacieuse cuisine fonctionnelle comprenant un four, un lave-vaisselle, des plaques, trois plaques gaz, un réfrigérateur avec son coin freezer, la machine à café Nespresso, le grille-pain et le presse-allume. Donc ces équipements font partie des plus premium. Vous avez également des placards avec la vaisselle et les ustensiles de cuisine fournis. Nous allons vous présenter la partie nuit. Première cabine de ce bateau avec un lit double. La literie est fournie, donc les draps et les lits seront faits à votre arrivée. Vous avez sur ce bateau de nombreux rangements, très pratiques pour vos bagages et vos vêtements, avec une petite penderie. Et ici, voici la salle d'eau, comprenant une douche, un lavabo et un WC. À côté de cette cabine, une deuxième cabine conçue de la même façon avec le double et le petit coin salle d'eau. Nous nous dirigeons désormais dans la partie arrière du bateau où on retrouvera également deux cabines. Cette fois-ci, les cabines sont conçues avec deux lits simples mais pouvant également être rapproché en un lit double. Ce qui permet d'accueillir aussi bien des amis, des enfants ou un couple. Cette cabine est aussi équipée de son coin salle d'eau avec douche, lavabo et WC. Et juste ici, la quatrième cabine de ce bateau, jumelle à celle que l'on vient de présenter. Alors avec Solène, nous nous dirigeons cette fois-ci de nouveau à l'extérieur du bateau afin de vous présenter quelques détails pratiques. À l'arrière du bateau, le premier comprend un seau, le piquet d'amarrage et son maillet pour les opérations d'amarrage, un tuyau d'eau pour vous permettre de faire le plein en eau de votre bateau, la prise de caisse qui est juste à la droite de Solène, juste ici, et le deuxième coffre comprenant les bouteilles de gaz. Eh bien, j'espère que cette visite vous a plu et je vous dis à très bientôt sur les canaux.